Monsieur Balem Djebal, bonjour. Bonjour, soyez là. Bonjour, chers amis auditeurs. Alors, les banques, au secours de l'économie de l'entreprise, notamment celle activant dans le bâtiment, le versement de toutes les créances seront totalement apurées avant fin juin, les 130 milliards de dinars. Monsieur Djebal? Oui, effectivement, les banques sont là pour financer l'économie dans toute sa composante. En témoignent les chiffres réalisés les dernières années. Comme vous l'avez souligné, pour le point particulier du financement du logement, qui constitue quand même une priorité également pour les banques, de par la dimension de ce segment de financement et les programmes qui les constituent, notamment les programmes promotionnels ADL et LPP qui sont en partie à la charge des banques en matière d'accompagnement financier. Comme vous l'avez souligné, les retards qui ont été accusés seront apurés d'ici fin juin, donc, et continuer à financer le reste du programme d'ici la fin de l'année et pour les programmes qui sont inscrits pour l'année 2018 et 2019. Alors, sur la dette totale des entreprises qui s'évalue à 130 milliards de dinars, combien reste-t-il à verser aujourd'hui pour définitivement clore ce dossier des entreprises qui n'ont pas été payées jusque-là, activant dans le domaine du bâtiment, bien sûr? Je pense que du côté des banques, il faut le dire, ces créances-là ne retombent pas uniquement sur les banques, mais pour la partie qui incombe aux banques, je crois qu'il y a un montant inférieur à quelque chose comme 30 milliards de dinars à payer d'ici éventuellement la fin du mois pour résorber tout ce qui était déclaré comme impayé et reprendre le programme par la suite. Là je parle en fait sous le contrôle du CPA qui est chef de file de ce programme consortial entre les banques publiques. Mais même principe pour la réalisation de logements, puisque nous avons vu que pour les 120 000 logements ADL, il y a eu pas moins de 329 milliards de dinars qui ont été débloqués par le CPA. Justement, ça s'est passé jeudi. Jeudi, il y avait la signature de d'une nouvelle convention portant sur un nouveau programme de 120 000 logements qui avait été signé par le gouvernement. Oui, signé entre le CPA et le ministère de l'Habitat, représenté par le CNL et la Direction générale du logement. Alors, en janvier dernier, M. Djebal, vous annonciez qu'en dépit de la crise financière, les crédits à l'économie avaient connu une hausse équivalente à 17%. Mais avec le manque de liquidité, est-ce que les banques vont maintenir le même rythme? Puisqu'on sait que la valeur des fonds débloqués était de plus de 8 200 milliards de dinars. Ça, c'était les encours des crédits à fin 2016. Les banques, c'est clair qu'elles travaillent de manière très soutenue pour maintenir le rythme de croissance des crédits. Tout le monde a intérêt à ce que le rythme de croissance soit maintenu pour atteindre l'objectif de croissance fixé par le gouvernement. Quand bien même il y a baisse de liquidité globale dans le secteur qui s'explique, comme je l'ai déjà annoncé, par deux facteurs. Le premier, certes, c'est par rapport à la baisse des recettes des hydrocarbures, donc c'est un phénomène un peu choc externe. Mais le deuxième facteur, c'est la forte consommation des crédits qui ont été accordés par les banques ces dernières années, sachant que 70% du crédit sont des crédits d'investissement. Donc c'est de l'argent qui est consommé et qui ne revient pas dans l'immédiat dans les caisses des banques. Ce qui fait qu'il y a eu, cette baisse de liquidité. Mais par ailleurs, les banques travaillent de manière très soutenue pour compenser un peu cette baisse sur plusieurs vecteurs, notamment le développement de l'épargne, être plus offensif, plus agressif vis-à-vis de la collecte de la ressource à travers la diversification déjà des produits d'épargne, mais aussi l'amélioration des rendements d'épargne,
l'augmentation des taux d'intérêt sur les placements, et ce qui a pu avoir des effets très, très positifs. Mais par ailleurs, nous travaillons également sur le développement des instruments d'inclusion financière qui permettent de développer la ressource au niveau des banques. Mais à fin 2017, le rythme un peu de croissance du financement à l'économie était d'équivalent à 17%. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les banques pourraient maintenir ce même rythme de croissance malgré la baisse de liquidité? J'ai dit que la baisse de liquidité ne va pas enfreindre le rythme de croissance. Le rythme de croissance des crédits dépend d'abord des besoins de l'économie qui sont exprimés par rapport au programme de développement d'investissement. 17% à ce qu'on pourra les faire, on verra d'ici la fin de l'année, mais le rythme actuel affiche quand même des signes très positifs dans ce sens. Il est de quel niveau pour les 6 premiers mois de l'année? On n'a pas encore clôturé, on attendra les chiffres officiels qui seront communiqués par la Banque d'Algérie, mais on est quand même sur un rythme plus ou moins respectable. Mais si on se réfère un peu à certaines analyses par rapport aux chiffres qui sont avancés aujourd'hui par rapport à l'investissement, si on se réfère au niveau de nos importations qui atteignent pratiquement les 47 milliards de dollars, certains considèrent que les banques ont plus financé l'importation que la production et l'investissement productif. Quel est votre commentaire ? Là, je reviens toujours à la réalité des chiffres. Les banques financent en majorité l'investissement productif. L'investissement productif, elle est traduite dans les chiffres par globalement plus de 70% des crédits alloués à l'économie. Quand on analyse la structure, et ça c'est les chiffres officiels communiqués par la Banque d'Algérie. Bien sûr, quand on finance les investissements, il y a forcément financement des équipements. Et une bonne partie des équipements sont importés. Quand on finance l'investissement, on est obligé aussi de financer le cycle d'exploitation. Donc la matière première, les intrants, une bonne partie aussi sont importés. Donc il y a une phase communicante entre le financement de l'économie et les opérations d'importation. C'est vrai, le rythme est en train de baisser pour les importations. Et je pense que 2017 sera annonciatrice aussi d'une forte baisse du niveau d'importation. Mais quels sont les secteurs d'activité qui sont aujourd'hui privilégiés par les banques? Puisque nous avons vu qu'au niveau de l'industrie, on a mis en place une liste négative par rapport à la saturation, bien sûr, de l'activité. Globalement, les secteurs d'activité prioritaires qui ont été ciblés par le gouvernement, c'est l'industrie, la bêta, l'agriculture, le tourisme. La liste négative, c'est pour une meilleure orientation du financement de l'économie et aussi une meilleure orientation de l'investissement. Quand on a inscrit donc un secteur dans la liste négative, ça veut dire qu'il a atteint un niveau de saturation et que le gouvernement a décidé de lui retirer les avantages qui sont habituellement accordés. Et là, ça permet aussi aux investisseurs de s'orienter vers d'autres créneaux d'activité, porteurs de richesses, créateurs d'emplois. Vous êtes en train de le faire? De les orienter vers d'autres secteurs d'activité? Mais bien sûr. Conformément à cette directive du gouvernement? Bien sûr, la liste négative est une liste qui est bien utilisée, exploitée par les banques, pour même orienter les financements vers les secteurs les plus qui restent à développer. Mais si quelqu'un veut, par exemple, investir dans une cimenterie, il pourra toujours le faire, mais seulement il ne bénéficiera pas des avantages accordés par les pouvoirs publics pour l'activité. Oui, c'est ça le principe. Vous le financerez quand même? Ah, ça dépendra de la banque, de l'appréciation de sa banque, mais dans la logique, la banque devrait être plus regardante sur ce segment-là, c'est-à-dire plus réticente en matière de financement. Alors, M. Boualem Diouba, par rapport au financement de l'économie, les importations, de nouvelles dispositions mises en place aujourd'hui par les banques par rapport aux licences d'importation, se conformer aux licences? Oui, bien sûr. Les banques étant des agents agréés en matière de commerce extérieur par la Banque d'Algérie, donc appliquent strict sensu les différents règlements et instructions relatifs à la régulation du commerce extérieur.
le gouvernement a décidé d'instaurer des licences d'importation pour une certaine catégorie de produits, ben, tout produit qui est soumis à licence, au niveau de la banque, pour faire une domiciliation, la banque exigerait la présence de la licence d'importation et pour le respect du quota de chaque importateur autorisé à le faire, et même le respect de la durée de validité aussi de la licence, elle est bien observée par les banques. Les listes vous arrivent graduellement par le gouvernement, notamment le ministère du Commerce, puisqu'aujourd'hui, la volonté du chef de l'État, c'est de réguler également les importations. Oui, tout à fait. On se base sur les différents communiqués qui sont lancés par le ministère du Commerce et qui introduit à chaque fois donc, les nouvelles listes soumises à licence. Mais parfois, ils disent que les banques vont précipitamment vers la mise en place de ces dispositions avant même qu'il y ait, c'est-à-dire qu'il se soit formalisé officiellement. Quel est votre commentaire ? Non. C'est-à-dire, dès qu'il y a la rumeur qui circule, déjà les banques commencent à prendre des dispositions. Non, nous, on se conforme aux orientations et aux instructions formalisées du gouvernement qui nous parviennent par les autorités compétentes. Mais certains considèrent que mettre en place des licences à LCE ne suffit pas. Il va falloir aussi revisiter le modèle de paiement, c'est-à-dire le CREDOC. Quel est votre commentaire ? Il a été qualifié par le passé, par M. Barthé Blaïb, Allah yarhamou, comme étant un crime économique. C'est-à-dire payer avant même l'arrivée des marchandises. Le CREDOC, encore une fois, est un moyen de paiement, tout comme le REMDOC. Au niveau des banques, nous encourageons actuellement le recours au REMDOC comme moyen de paiement. Et nous l'avons observé les derniers temps que le nombre d'opérations qui sont faites par le REMDOC est en nette croissance en termes de nombre. Voilà. Modernisation des banques. Vous en êtes où aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que vous allez au ralenti ou alors vous êtes en train d'accélérer la cadence ? Ce n'est pas suffisamment visible aujourd'hui. Je pense qu'on est sur l'accélération de la cadence de modernisation dans toute sa dimension. Que ce soit la modernisation du mode de fonctionnement à travers les réformes des différents systèmes d'information des banques, mais aussi sur les services qui sont apportés. Les modèles de paiement. Surtout en moyen de paiement électronique qui a été développé les derniers mois, notamment le paiement par Internet qui a été lancé en octobre 2016 et qui est connu quand même une évolution très positive, que ce soit pour le nombre des web marchands ou pour le nombre des transactions déjà inscrites. Mais parallèlement, nous attelons à développer également le paiement de proximité par carte au niveau des commerçants. Et là, on a bien augmenté la cadence d'installation des TP au niveau des commerçants. Combien ? Actuellement, les terminaux de paiement électronique sont au nombre de 11 000. Mais je dois dire aussi que ça a été multiplié pratiquement par 3 depuis une année et demie à 2 ans. Une nouvelle dynamique s'est instaurée pour satisfaire un peu le besoin de payer par carte. C'est une action qui est prise à l'initiative des banques en termes de commercialisation, de démarchage, conviction de la clientèle, notamment la clientèle commerçante. Ça dépend parallèlement de la bonne volonté du commerçant. Moins de frilosité On peut dire qu'il y a moins de frilosité, les commerçants sont de plus en plus accessibles. On pourrait les installer partout, même dans les pharmacies, mais on ne les voit pas, les terminaux de paiement électroniques. Même dans les grandes surfaces, ça fonctionnait un jour, ça ne fonctionne pas 10 jours. En tout cas, les banques sont là pour satisfaire ce besoin. On essaie de visiter le maximum de commerçants, leur proposer le produit. Mais 11 000, c'est très peu. C'est peu. À l'échelle nationale, si on souhaite faire un nombre de commerces. J'ai dit, ça a été multiplié par plus de 3 par rapport à il y a 2 ans. Un objectif premier, très court terme, c'est atteindre éventuellement 20 000 TPE à très court terme et continuer dans la même cadence. Parallèlement, les banques ont mis en place une nouvelle société qui va s'occuper globalement de cette opération démarchage, installation, maintenance des TPE pour démocratiser au maximum donc l'utilisation du TPE. Ça sera plus confié à la SATI ?
Non, Satim, c'est l'opérateur interbancaire qui assure un peu l'interbancarité des transactions, qui assure le routage des transactions entre les différents commerçants et les différentes banques. Il ne faut pas oublier que la carte bancaire, elle est interbancaire. C'est-à-dire un client de n'importe quelle banque qui détient une carte peut payer dans n'importe quel TPE, quelle que soit la banque qui a installé ce TPE. Combien de cartes sont en circulation actuellement? Il y a à peu près 1 500 000 de cartes qui sont interbancaires qui sont installées. Je parle des cartes interbancaires émises par les banques. Et nous avons lancé tout dernièrement, il y a un mois de ça, une grande campagne publicitaire pour inciter à la fois l'utilisateur de la carte pour le paiement, mais aussi le commerçant pour accepter le TPE avec des conditions très, très avantageuses, très accessibles pour le commerçant. Mais aujourd'hui, par exemple, le fait que les TIC ont été raccordés à l'économie numérique, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de l'économie numérique, hein, est-ce que les choses vont s'accélérer davantage parce que ça permettra de faire des transactions via le net plus rapidement ? Je pense qu'au rythme actuel, selon la petite expérience des derniers mois en termes de paiement par Internet, nous avons grand espoir que ça va s'accélérer davantage. Ça, je parle de paiement par Internet, mais nous travaillons parallèlement sur les autres moyens de paiement, y compris le mobile payment. Mais certains considèrent qu'aujourd'hui, le système des banques n'est pas suffisamment sécurisé. Si on doit, bien sûr, se référer et le comparer à celui de la Poste. Quel est votre commentaire par rapport aux transactions qui pourraient s'effectuer via le net? Actuellement, nous n'avons pas de problème particulier à signaler sur les opérations parce que toutes les procédures qui ont été mises en place par les banques via déjà sous le contrôle du géomonétique et l'organe interbancaire monétique et qui ont été dûment autorisées et validées par la Banque d'Algérie qui est le garant de la sécurité des systèmes de paiement. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par rapport au financement de l'économie, les banques vont se transformer en planche à billets puisque nous voyons qu'il y a un manque de liquidité et les banques elles-mêmes sont en train de s'endetter auprès de la Banque centrale, la Banque d'Algérie, à des taux considérés comme étant relativement élevés? La banque est un intermédiaire agréé, c'est un intermédiaire financier entre la ressource et le financement. Elle satisfait un besoin de financement, mais aussi elle capte des moyens, des capacités de financement qui proviennent des épargnants. Son rôle, c'est de faire rencontrer la capacité de financement avec le besoin de financement. Mais les banques, c'est des opérateurs économiques. Son rôle, c'est de gagner de l'argent à travers de ces transactions-là. Elles peuvent avoir besoin de recourir à la banque centrale pour se faire refinancer. Et ça, c'est une pratique très universelle. C'est une pratique, je dirais, très, très normale, qui permettrait de maintenir un rythme de croissance des crédits. Le recours à la banque centrale, c'est soit à travers le refinancement, le rescompte ou l'open market ou même le marché interbancaire, le marché monétaire interbancaire à très court terme. Alors, des questions des auditeurs concernant Laurent Abétan, il est sur la liste négative mais on continue à l'importer. Quel est votre commentaire ou votre réponse à cette question de l'auditeur? Laurent Abétan figure dans la liste des produits soumis à licence d'importation et donc, et quand on dit licence, ça veut dire c'est importé par rapport à un besoin déterminé, par rapport à une capacité qui n'est pas produite localement. Et donc, tout importateur pour les banques doit se prémunir d'une licence d'importation pour pouvoir le faire. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, les banques financent beaucoup plus l'entreprise publique que privée. Quel est votre commentaire? Votre réponse? Est-ce qu'on a des indicateurs chiffrés par rapport à cette question? On a pratiquement une parité entre le financement de l'entreprise publique et l'entreprise privée. La structure de financement de l'économie, depuis plusieurs années maintenant, elle est pratiquement à 50-50%.
Alors, qu'est-ce que vous entendez exactement par moderniser vos banques? On dirait qu'on est toujours dans les années 70. On n'a pas l'impression que les services se sont améliorés et qu'il y ait c'est-à-dire de portefeuilles beaucoup plus diversifiés au niveau des banques qui restent frileuses pour le financement de l'économie. Le financement de l'économie par les banques, les indicateurs sont là pour le prouver la dynamique de financement. L'amélioration des services aussi, elle est là. On fait le maximum pour diversifier les produits, mais aussi les moyens, les services financiers modernes. Diversification même des produits de financement. Nous travaillons pour l'instauration de la finance, ce qu'on appelle la finance participative, pour couvrir un besoin exprimé au niveau de l'économie nationale. Alors, est-ce qu'il va falloir aujourd'hui, par exemple, pour les banques publiques, donner un coup de pouce davantage par rapport à leur modernisation? Elles sont cinq pratiquement, les banques publiques. La modernisation, c'est une préoccupation permanente des banques. Ça fait partie des préoccupations pour améliorer le fonctionnement de la banque, mais aussi rester au diapason de l'actualité et offrir les services les plus modernes à sa clientèle. Alors, les crédits à la consommation, est-ce qu'ils sont en hausse actuellement, monsieur Dubar, par rapport à ce qu'offrent comme portefeuille les banques publiques? Oui, les crédits à la consommation sont en pour la consommation nationale, oui, hein, pour la sont en précision. progression positive depuis leur mise en place. Ça concerne bien sûr les produits qui sont produits localement, les véhicules électroménagers, le mobilier, ainsi de suite. Et ça a bien démarré au départ avec les véhicules, mais maintenant on sent de plus en plus qu'il y a plus d'engouement vers l'électroménager. Certaines banques maintenant, dans leur portefeuille, c'est équilibré entre électroménager et véhicules. Et je pense que la dernière mesure qui a instauré un peu l'électroménager et la licence pour l'importation de l'électroménager va permettre aux producteurs nationaux de se développer davantage et donc le crédit à la consommation ne pourra que connaître une évolution positive dans ce Mais sens-là. certains considèrent que le taux est appliqué, le taux d'intérêt appliqué est trop élevé. 11% pour certaines banques, c'est énorme. Oui, les taux d'intérêt sont librement fixés par les banques. Ça dépend de la nature du produit. Il n'y Ça a pas va moyen de sur. réguler de telle sorte à ce qu'il y ait une harmonisation, parce que 11%, c'est l'équivalent de 3 fois le produit, le prix du produit. Oui, il y a toujours moyen d'harmoniser. La Banque d'Algérie est en train de surveiller les taux appliqués à travers l'instauration des déclarations sur les taux effectifs globaux et elle fixe elle-même un taux excessif qu'elle juge excessif à ne pas franchir. Et donc, je peux dire que les derniers temps, donc la Banque d'Algérie est en train de regarder les Le taux texte n'a appliqués. toujours pas été promulgué justement par rapport à la fixation des taux d'intérêt. Autre question d'un auditeur qui vous dit par rapport à l'agriculture, puisque vous êtes aussi à la tête de la BADR, est-ce qu'on peut avoir par exemple des estimations chiffrées sur le niveau des financements de l'agriculture, monsieur Djebbar? Le financement de l'agriculture occupe une place très importante dans le financement de la BADR, mais aujourd'hui, pas uniquement la BADR, il y a d'autres banques qui s'intéressent au financement de grands projets agricoles, notamment qui sont portés par les grands industriels clientes d'autres banques. Je peux dire, si on prend les crédits classiques de l'agriculture, le crédit FIGM par exemple, qui est le crédit de campagne le plus connu et qui s'adresse en grande partie vers la céréaculture, il y a pas moins de 15 000 clients qui sont financés chaque année, mais depuis son démarrage, ça a dépassé de loin les 120 milliards de dinars comme financement cumulé. Le crédit Tahdi, qui est un crédit d'investissement également bonifié, a dépassé les 40 milliards de dinars pour plus de 6 000 dossiers déjà financés. Combien de projets globalement?
Je vous ai dit, les petits projets Tahaddi, on a dans les 6 000, 6 500, mais l'agriculture, c'est, ça n'est pas uniquement les petits ça. Projets. Il y a les petits projets dans le cadre de l'ONCH CNAC, ça c'est des dizaines de milliers, je crois 80 000 dossiers déjà financés dans ce cadre-là. Et pour les méga-projets qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, notamment ceux qui sont avec certains partenaires étrangers, les Américains notamment? Oui, les méga-projets, certains n'ont pas encore connu l'aboutissement global, c'est-à-dire même les financements ne sont pas encore accordés pour ces projets, ils sont en cours de discussion dans certaines banques. Mais il y en a par ailleurs des projets nationaux, portés par des nationaux qui ont été bel et bien financés. Des opérations d'exportation également. Les opérations d'exportation, les encourage fortement. La pomme de terre pour le Qatar. Oui, la pomme de terre, déjà le financement de la production de pommes de terre et le financement des importateurs à travers des facilités, des encouragements, des conseils, d'accompagnement, parce qu'on croit que c'est un gisement qu'il faudrait bien exploiter, qui pourrait bien diversifier les ressources en devise de l'économie nationale. Mais l'abondance des produits agricoles ces derniers mois, notamment durant ce mois de Ramadan, on a vu quand même, ils ont été à des prix relativement abordables. Est-ce que c'est le fruit un peu de ce qu'on a semé il y a quelques années, c'est-à-dire tous ces projets qui arrivent à terme aujourd'hui qui arrivent à produire? Je pense que c'est tout l'effort qui a été fait par les différents acteurs de l'agriculture qui ont fait que les produits sont là et ça profite aux consommateurs. Alors, autre question, je voudrais vous poser une question sur les créances compromises qui pèsent lourdement sur les emplois des banques, notamment les créances qui ne sont pas couvertes par les garanties. Il parle des créances non recouvrées des banques. Elles sont importantes. Et celles qui ne sont pas, bien sûr, couvertes par des garanties, les fonds de garantie. Les fonds de garantie, bon, le financement des crédits s'appuie soit sur les garanties proposées par les promoteurs eux-mêmes, soit par les fonds de garantie quand le crédit est éligible, tel que la caisse de garantie, ou dans le cadre de l'ONCEJ, les fonds de garantie de l'ONCEJ. Monsieur Boualem Djebbal, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée.